Bonjour, aujourd'hui, on va la voir dans le train-train. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Le plus long trajet du monde en train, ininterrompu, s'étend de la côte portugaise au sud du Vietnam. La distance est de 17 000 km. Il dure 327 heures et coûte 1 800 euros. Pour vérifier cette info, j'appelle tout de suite nos deux correspondants, Régis Laparesse et Philippe Le Chevalier. Alors où êtes-vous, messieurs ? Là, on est... Il y en a qui ont essayé City. Ah oui, c'est juste à côté de Pau. Parce que ce train passe par Pau ? Non, mais on a raté la correspondance. Oui, c'est à cause du boulet, là. Trop chargé en conneries. Cela dit, mon cher confrère, on peut vous assurer que cette info est bonne, comme la contrôleuse du wagon. Moi, j'ai un ami qui a pris ce fameux train qui mène au Vietnam. Mais malheureusement, on est sans nouvelles de lui depuis 3 ans. À mon avis, il n'a pas composté son billet. Ou son portable ne passe pas. Ou peut-être même qu'il n'est pas parti. Pour moi, il a eu des problèmes. En tout cas de cause, on vous confirme bien l'info. C'est un train qui roule, mais qui ne s'arrête pas. Eh bien, merci Régis et Philippe d'avoir validé cette info pour le BVI. Ah, une dépêche vient de tomber. En fait, c'était pas son ami. Oh là le boulet ! Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.